Coucou Internet, alors on se retrouve pour la deuxième vidéo pour répondre à tes questions. Donc on en était à vis-tu de l'ésotérisme ou est-ce uniquement une passion? Donc je te disais que je ne vivais pas de l'ésotérisme parce que j'avais du mal à concevoir l'idée de demander de l'argent en retour d'un besoin par rapport à un besoin d'une personne. J'ai un peu de mal à concevoir cet échange, je serais plus éventuellement dans l'échange de présents, dans l'échange d'objets, de... voilà. Mais l'argent, le palpable, enfin l'argent pur, le billet, le flouze, l'oseille, comme tu veux, tu le rappelles, j'ai un peu de mal à concevoir cette idée. Cela étant, je comprends tout à fait qu'il faille payer des traites et que du coup, on ne va pas payer les traites avec des casseroles, des petits pois ou des jeux de cartes. Ça, je le conçois tout à fait. Mais moi, voilà, à mon niveau, j'ai un peu de mal à concevoir ça. Voilà, j'ai un travail à côté, enfin, j'ai un travail concret à côté de cette passion et voilà, après je... voilà. Donc est-ce uniquement une passion? Non. C'est plus que ça. J'ai l'impression que ça fait partie de moi depuis énormément de temps parce que il m'est arrivé des choses dans ma vie personnelle depuis toute petite qui ont fait que j'ai ouvert mon esprit, j'ai ouvert mon troisième œil et du coup j'ai pu... J'ai pu sentir, percevoir, entendre, donc clairaudience, clairsentience, notamment, que j'ai développé, que j'ai arrêté, puisqu'à un moment donné, j'ai fermé le canal. Et voilà. Et donc maintenant, voilà, c'est bien ancré dans ma tête, j'ai bien compris, hein, j'ai bien compris les signes, merci beaucoup. Et donc maintenant, je développe ces capacités que je peux avoir, bien sûr. Ça marche beaucoup aussi dans mes rêves, je vois beaucoup de choses. Voilà, donc là, je suis en plein apprentissage, si je puis dire, de tout cela. J'y fais face, je l'accepte et je vis avec. Voilà. De quelle région es-tu originaire? Alors, j'ai inclus cette question, mais elle n'est pas du tout en rapport avec le type de question que j'ai. Je vais quand même y répondre subtilement, puisque je ne vais pas te parler de région, je vais te parler de pays. Donc, je suis originaire de l'Irlande et de l'Espagnol. Donc, irlandaise, espagnole. Voilà. Mais revenons plutôt à l'essentiel, veux-tu? Alors, t'intéresses-tu au paranormal? Bien sûr. Bien sûr, je m'intéresse au paranormal. Ça fait partie des sciences occultes, de toute façon. Donc oui, je m'intéresse au paranormal. Je me suis documentée, j'ai vu des vidéos. Alors, vécu quelque chose, non. Parce que la planche Ouija, par exemple, qui est un outil qui permet d'entrer en contact avec les esprits, les entités, les défunts éventuellement. Non, parce que je trouve que c'est un outil qui peut être dangereux si on n'est pas préparé. Quand je vois sur YouTube des vidéos de personnes qui font des séances de Ouija, je trouve ça inadmissible et très dangereux de diffuser ça sur Internet. J'accepte pas du tout l'idée parce que c'est beaucoup d'artifices et on ne sait pas sur qui on peut tomber. Donc ça peut être très dangereux et c'est pour ça que je ne pratiquerai jamais cette méthode si je veux rentrer, de toute façon, si je veux rentrer en contact avec des entités, des esprits, des défunts, mes guides, mes anges ou peu importe, quelques personnes qui soient du monde subtil, pas du bas astral. Déjà, il y a une grande protection à faire en amont pour justement se protéger des entités mauvaises ou venant du bas astral. Donc il est très important déjà de se protéger avant de faire toute séance de spiritisme, j'ai envie de dire. Donc là, je suis en train de m'évader. Donc là, on va revenir. T'intéresses-tu au paranormal? Oui, mais je ne pratique pas. Enfin, je ne pratique pas la méthode de la planche Ouija. Ensuite, as-tu déjà participé à des enquêtes? Non. Et je t'en ai un peu répondu sur la question précédente, non, parce que déjà, je pense que j'aurais un petit peu peur. Et puis, ça ne m'intéresse pas d'embêter les esprits dans des lieux abandonnés ou quoi que ce soit. Il faut les laisser tranquilles, il faut leur laisser prendre le temps de passer sur le plan supérieur. Il faut les laisser tranquilles, quoi. Il ne faut pas venir les embêter et voilà. Voilà. Après, puis même, il y a plein de vidéos qui ressortent et... C'est vraiment du grand n'importe quoi et je trouve qu'il y a beaucoup d'abus.
Alors certainement qu'il y a sûrement des vidéos authentiques, mais la grande majorité, c'est beaucoup d'artifices. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui y croient et qui pratiquent ce genre de choses. Donc c'est l'urbex, je crois que ça s'appelle comme ça, visite de lieux hantés. Donc tout est mis en condition, ils y vont la nuit, il y a des musiques, il y a des bruits, enfin il y a beaucoup d'artifices. Et voilà, donc moi je suis contre ça. Voilà, puis de toute façon, je pense que j'aurais un petit peu peur, personnellement. Voilà. Ce qui est un peu contradictoire parce que j'ai pas peur de rentrer en contact avec mes guides, mes défunts, ou quand j'entends des choses comme ça me fait pas peur. Mais aller dans des lieux sujette à ça, ouais, j'aurais un petit peu peur. Mais enfin bon, bref, passons à la question suivante, veux-tu. Pratiques-tu d'autres outils que les pierres? Oui, bien sûr. Donc il y a les cartes. Il y a le pendule. Alors je suis encore un petit peu novice sur le pendule, j'ai plus d'expérience par rapport aux oracles et aux tarots. Le pendule, je suis encore un peu novice, j'apprends petit à petit. Après, je pense qu'on ne peut pas aller trop loin avec le pendule. C'est assez restreint. Et par contre, c'est pas dans la matière, mais c'est à l'intérieur de moi. Je sens bien. Enfin, je travaille beaucoup avec mon moi intérieur, mon soi intérieur, en fait. Je ressens beaucoup de choses, comme je te disais tout à l'heure, au niveau de la clairaudience, la clairsentience, les rêves, qu'ils soient prémonitoires ou des rêves. Très significatif, envoyé par mes guides et mes anges, etc., mes défunts, qui sont assez, ouais, qui sont bien, parfois brutales même, mais ça va, je suis encore vivante, j'ai survécu. Mais voilà, enfin tout ça pour vous dire que là, il faut vraiment écouter tout ce qui se passe en vous. Et donc voilà, oui, est-ce que tu pratiques d'autres outils autres que les pierres? Oui, et donc c'est surtout le travail sur soi, en fait. Je travaille beaucoup sur moi. Alors bon, déjà j'ai un travail à côté qui me prend beaucoup de temps, de travail et un certain temps de récupération, et qui ne me permet pas de m'investir comme je le voudrais dans ce thème qui est la cartomancie, les sciences occultes, le monde de l'invisible, le contact défunt, etc. J'aimerais beaucoup m'investir un peu plus, mais voilà, pour l'instant j'ai un travail qui ne me permet pas cela. Cela étant, voilà, j'arrive à faire quelque chose. Voilà. Mais voilà, pour te dire que tout se passe à l'intérieur de moi, je suis en pleine transformation, en fait, depuis 2 ans. Voilà, depuis 2 ans, j'ai pris conscience, j'ai accepté ce qui m'était destiné, entre guillemets, ce qui était sur le chemin de ma vie. Je sais que je suis dans la guérison, dans le soin de la personne, et donc j'apprends. Donc c'est vrai, j'apprends beaucoup par les cartes, mais voilà, je travaille aussi pas mal avec les bougies. Voilà, et après, ben, je te dis, c'est à l'intérieur de moi, c'est les messages que je reçois, j'accepte les messages qu'on reçoit, j'arrive à les interpréter. Alors comme il faut ou pas, parfois je suis encore un petit peu hésitante, est-ce que je dois dire ça à la personne ou pas, mais voilà, au fur et à mesure que le temps passe, j'arrive à prendre un petit peu plus d'assurance sur moi, en moi pardon, et je pense, voilà, je suis sur le bon chemin. Il faut du temps, voilà, et c'est juste une question de temps, il ne faut pas se précipiter. Si ça doit venir, ça viendra, et de toute façon c'est quand on va très vite qu'on se casse la figure. Alors on se relève, mais voilà. Donc c'est pour ça que surtout pour ce genre de choses, voilà, je fais à mon rythme, en fait. Je précipite pas les choses. Voilà. As-tu fait des formations ou as-tu apprises toute seule? Alors je n'ai pas fait de formation pour apprendre les cartes. Je n'ai pas fait de formation en elle-même. Par contre, je me documente vachement, je lis beaucoup de livres. Et du coup, en continuant à me faire, parce que je me fais aussi des tirages à moi-même, en continuant à me faire des tirages, je pose des questions, je reçois des messages. Dans les rêves aussi, ça marche beaucoup, j'ai beaucoup d'indications dans les rêves. Alors voilà, je ne fais pas de formation, je préfère apprendre par moi-même, en fait. Je crois que c'est autodidacte qu'on appelle ça. Donc forcément, c'est un petit peu plus long,
Mais voilà, j'apprends par moi-même. Donc, comme je te dis, je lis beaucoup, je pratique. Donc, la théorie, c'est les bouquins, les vidéos. Alors, un certain nombre de vidéos, je ne vais pas regarder toutes les vidéos de personnes. Alors, parce que là aussi, dans le domaine de l'ésotérisme, il y a vraiment. C'est un panel, il y a vraiment de tout et de tout, n'importe quoi. Donc, il faut faire vraiment un gros tri quand vous regardez des vidéos, vraiment. Faites attention, enfin, ayez toujours votre libre arbitre, pardon. Mais faites attention à ce que vous regardez sur Internet, parce que vraiment, il y a beaucoup d'artifices. De toute façon, c'est comme dans le paranormal. Enfin, de toute façon, ça fait partie de ça. Mais voilà, il faut vraiment. C'est bien aussi d'avoir sa patte personnelle. Avoir les bases, oui. Parce qu'il y a les bases, voilà, les fondations, c'est bien d'avoir les bases. Mais après, quand on développe son truc, ou qu'on développe sa passion, son métier, les cartes, le pendule, quoi que ce soit, c'est bien d'avoir sa patte personnelle et de faire à sa façon, à soi. Voilà, ne pas, déjà, il ne faut pas copier sur les autres. Ça, on peut s'en inspirer, mais il ne faut pas copier dessus. C'est pas bon. Donc non, je n'ai pas fait de formation en elle-même. Par contre, je ne dénigre pas du tout les personnes qui font des formations, parce qu'il y a des formations qui sont certainement très intéressantes. Mais voilà, pour moi, personnellement, c'est pas ce que je recherche. Voilà. Je préfère me documenter, je te dis, j'ai plein de bouquins, et j'ai lu plein de bouquins, je suis en train d'en lire deux, dont un que je relis. Que j'ai lu une première fois et que je relis parce que ça m'apprend plein de trucs. Et j'en ai d'autres à lire. Alors j'en ai pas 50 000, hein, mais bon voilà. Donc tout ça pour te dire que voilà, je préfère faire ma formation moi-même en fait. J'ai des bases que tout le monde a, voilà, mais notamment par rapport aux significations des arcanes majeures. Mais après, voilà, tout est une question d'interprétation et voilà. Enfin, bon. Je me forme moi-même, autodidacte. Et aussi par rapport à mon expérience personnelle, parce que du coup, voilà, je ne suis pas née à 40 ans et j'ai vécu moi aussi de mon côté des choses pertinentes et très intéressantes et qui, voilà, qui font que j'en suis là aujourd'hui. Quels sont mes tarots et oracles préférés du moment? Alors, il y en a deux. Il y a celui-ci. C'est l'oracle des défunts de l'Académie du développement personnel. Donc, ce sont des oracles très, très sympas. Enfin, j'aime beaucoup. Les illustrations sont juste magnifiques. Donc, il n'y a pas de livret accompagnatif. Il y a donc 40 cartes, je crois. Et donc, au dos de chaque carte, il y a des textes. Et là, tu vois, par exemple, cette illustration, elle est juste sublime. Donc, ça te permet de prendre contact avec tes défunts si tu le souhaites, ou sinon pour avoir des messages journaliers. Mais moi, personnellement, je m'en sers pour rentrer en contact avec mes proches défunts. Voilà. Toute façon, je te le présente normalement quand sortira cette vidéo. La vidéo de présentation sera sortie. Voilà. Il y a celui-ci. Et alors celui-là et l'autre aussi qui est très très fort. Il est dans la même collection. C'est l'oracle des messages de l'âme. Donc là, alors les couleurs sont un petit peu plus pastel. Donc voilà. Les illustrations se présentent comme ceci. Hop. Voilà. Donc là, même chose. On a un texte au dos de la carte et il est très très fort cet oracle. Je me sers beaucoup pour moi dans un premier temps. Je m'en sers pour moi sans vouloir être égoïste, mais bon, je travaille dessus. Ça fait pas longtemps que je l'ai, donc voilà, je travaille sur moi d'abord. Je vois un peu si ça matche ou pas. Bon, là, en l'occurrence, ça matche très bien. Pareil, je t'ai fait une vidéo qui devrait sortir incessamment sous peu. Voilà, donc les deux oracles du moment. Donc l'oracle des messages de l'âme, l'oracle des défunts de l'Académie du développement personnel. Également celui-ci qui est aussi mon préféré
avec le tarot des sorcières, l'oracle angélique, qui marche beaucoup pour moi, ça match énormément. J'aime beaucoup. Oui, j'avais sorti celui-là aussi, parce que voilà, le tarot des mondes sauvages et inconnus, il est pas mal aussi. Vraiment, il est bien pour les débutants. Il peut marcher pour les débutants. Je crois que j'ai une question en relation justement avec les débutants par la suite. Donc j'y reviendrai plus en détail tout à l'heure, veux-tu. As-tu un doudou deck? Oui, j'en ai même deux. J'ai celui-ci, le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue, qui me réconforte quand j'ai une petite baisse de morale ou voilà, j'ai une petite forme, quoi, comme on a chaque, comme tout le monde. Comme tout le monde a. Voilà. Donc c'est un tarot, voilà. C'est un tarot de Dorine Virtue et de Radleg Valentine. Produit aux éditions Exergue. Donc c'est un tarot, pardon, que je t'ai présenté dernièrement. Enfin dernièrement, non. Je crois que je ne parlais pas à cette période-là. Je ne parlais pas. Je te présente donc ce tarot. Donc il est un doudou deck, il me réconforte. Quand j'ai une petite baisse de morale, je te dis, je me sors une carte, ça va mieux. Voilà. Et j'ai aussi celui-ci qui est pas mal aussi. Il est bien rigolo. C'est voilà, c'est mon oracle de Lulumineuse et de Margot Motin. Produit aux éditions quelque chose. On va te dire ça. Alors, le seul petit inconvénient que j'aurais à dire, édition Delcourt. Le seul petit inconvénient que j'aurais à dire, c'est que les cartes sont vraiment très très grandes. Donc, du coup, pour les mélanger, c'est. Voilà. Bon, c'est possible, hein, mais voilà. Ou alors, après, ce qu'on peut faire, tu vois, c'est une méthode comme ça, hop, et tu tires. Et là, j'ai croyance périmée. Il y a un grand ménage à faire. Alors, attends, hop, j'éteins la sonnerie. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges ou non, les croyances périmées t'érigent, des barrières qui n'existent pas mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? Voilà, bon après, tiens pas compte de cette carte parce que je t'ai pas du tout concentrée, c'était juste pour te montrer la méthode dans laquelle tu peux piger les cartes. Donc voilà, donc ça c'était pour mes doudou deck et je vais couper et du coup c'est bien ce que je pensais, ça va faire 3 vidéos au minimum pour répondre à tes questions. Il va falloir que j'aille un peu plus vite parce que sinon je vais en faire 15. Ok, bon je m'excuse, c'est la première fois que je fais des FAQ, enfin fort aux questions, je sais pas comment on appelle ça. Voilà, allez, on se revoit tout de suite pour la troisième partie des questions que tu m'as posées. À tout de suite.